internautes, c'est le docteur Jimmy Itela. Je suis stomatologue et chirurgien maxillofacial à la clinique médicale Securex. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hygiène bucco-dentaire. Et sans plus tarder, allons-y au service de stomatologie pour en savoir plus. Les caries et les maladies des gencives sont dues souvent à des bactéries formant un dépôt blanchâtre peu visible qui se dépose à la surface des dents. Certaines bactéries peuvent transformer les sucres de l'alimentation en acides et ces acides provoquent la décalcification de l'émail et qui causent les caries. Les bactéries au niveau de la plaque peuvent aussi occasionner une inflammation des gencives qu'on appelle une gingivite et cette gingivite se caractérise par une gencive rouge, gonflé ou tuméfié, saignant au moindre contact. Vous devez savoir que si une gingivite n'est pas soignée, cette inflammation peut s'étendre jusqu'au niveau des tissus de soutien de la dent et aller jusqu'au niveau de l'os de la mâchoire. Il en résulte une inflammation du tissu de soutien de la dent qu'on appelle parodontite. Le parodonte et l'os sont attaqués par ce processus inflammatoire et se résorbent graduellement. Une parodontite non soignée peut conduire à des dents qui bougent toujours plus, puis à la perte des dents. La plaque dentaire, c'est quoi? La plaque dentaire ou plaque bactérienne est un dépôt blanchâtre, souvent peu visible, qui adhère aux dents. Elle est constituée essentiellement de bactéries ainsi que des produits de leur métabolisme et des restes alimentaires qui forment un substrat dense qu'on appelle le biofilm. La plaque dentaire, elle est doublement dangereuse. Premièrement, parce qu'elle provoque les caries. Les bactéries de la plaque pouvant transformer les sucres alimentaires en acides et ces acides qui attaquent l'émail de la dent et provoquant sa déminéralisation. C'est le début de la carie. Deuxièmement, elle provoque l'inflammation des gencives, qu'on appelle les gingivites, et peut aller jusqu'à résorber l'os autour du dent grâce principalement aux toxines libérées par les bactéries qui sont contenues au niveau de la plaque. La mauvaise haleine ou halitose a pour origine la décomposition par les bactéries anaérobies de la salive et certains aliments aux cellules mortes riches en soufre, entraînant la formation du composé sulfuré volatile. Dans la mauvaise haleine, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en cause. Nous pouvons dire, quand vous avez une mauvaise hygiène buccale avec accumulation de tartres et de plaques, les caries dentaires, les maladies des gencives, les ulcérations buccales, les abcès ainsi que la sécheresse buccale. Les affections de l'appareil de soutien des dents et certaines maladies générales peuvent s'influencer réciproquement. L'hygiène bucco-dentaire est non seulement importante par le maintien de la santé des dents et des gencives, elle prévient aussi l'apparition de certaines maladies. Si l'on ne soigne pas les caries et la parodontite, des foyers d'infection chroniques peuvent se former à l'extrémité des racines et dans le sillon des gencives. Par la circulation sanguine, des bactéries peuvent ensuite être transportées de ces foyers d'infection chroniques vers divers organes, entre autres le cœur et les articulations, provoquant ainsi des maladies graves, par exemple une endocardite ou un rhumatisme articulaire aigu. Les micros, comme nous l'avons dit plus tôt, les micro-organismes du parodonte peuvent provoquer des affections aiguës, entre autres des pneumonies, voire des maladies chroniques des poumons en passant par les voies respiratoires. Caries et parodontite peuvent causer des douleurs ou des abcès, voire d'autres infections à proximité de la sphère orale. Il a été démontré qu'une parodontite élève le risque de maladies cardiovasculaires et qu'un diabète mal équilibré peut favoriser une parodontite car un taux de sucre sanguin augmenté stimule le processus inflammatoire. A l'inverse, la parodontite influence le contrôle du diabète. En cas d'inflammation, les doses d'insuline doivent être augmentées pour équilibrer la glycémie. Certains médicaments, notamment ceux destinés aux patients souffrant d'hypertension artérielle, peuvent provoquer des modifications gingivales et de nombreux médicaments peuvent causer une sécheresse buccale.
d'où l'importance de consulter un stomatologue. Les soins bucco-dentaires quotidiens permettent d'observer régulièrement la muqueuse buccale et de constater l'apparition éventuelle de toute modification pathologique. Toute modification de la muqueuse buccale doit être prise au sérieux. Son dépistage précoce permet d'empêcher son aggravation. D'où il est indispensable de consulter un médecin dentiste pour poser un diagnostic précis et instaurer un traitement adéquat. Pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, voici quelques conseils que je peux vous proposer. Ayez toujours l'habitude d'avoir une brosse à dents personnelle, à poils arrondis et souples, que vous aurez le temps de pouvoir renouveler tous les 3 mois. Brossez-vous les dents 3 fois par jour et pendant 3 minutes. Les dents ainsi que le dos de la langue. Commencez toujours de la gencive vers la dent. Préférez de l'eau à toutes les boissons alcoolisées, gazeuses ou sucrées. Restreindre votre consommation en sucre, les bonbons, les biscuits, les pâtisseries, évitez tout au plus. Consultez régulièrement votre médecin dentiste, vous ainsi que votre famille. Merci. Merci d'avoir eu le temps de suivre ma vidéo. Pour en savoir plus sur la clinique médicale Securex, suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Africa 24 Monde. À la clinique médicale Securex, votre santé est notre priorité. Merci.